Après votre bac, vous pouvez entrer à Cesi en cycle préparatoire intégré ou en cycle ingénieur après un bac plus 2. Vous avez aussi la possibilité de poursuivre sur un master spécialisé après un bac plus 5. Bonjour, je suis Sylvain Lamy, enseignant formateur à Cesi École d'ingénieur et j'aimerais vous présenter un petit peu la spécificité de Cesi École d'ingénieur qui est la pédagogie. Nous avons une pédagogie active. L'idée c'est que cette pédagogie vous place l'élève au centre de votre formation. Vous allez être réparti par équipe de 5 ou 6 élèves et travailler sur des projets pluridisciplinaires. Vous allez travailler en autonomie tutorée. On n'est pas dans une pédagogie classique où on va avoir par exemple 10 heures de cours de maths, puis 10 heures de TD de maths, 10 heures de cours de méca, puis 10 heures de TD de méta. Ici, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que c'est vous-même qui êtes acteur. Typiquement, pour répondre à un premier besoin du client, à un premier livrable, vous allez réfléchir entre vous comment on va répondre aux livrables, aux besoins du client. En fonction de vos connaissances, vous allez avancer un petit peu. Et ensuite, au bout typiquement d'une demi-journée, par exemple, il va y avoir un apport de connaissances, 2 heures de mécanique si c'est le thème, ou 2 heures de mathématiques, etc. Vous allez savoir quelles réponses vous venez chercher, pourquoi vous en avez besoin, et les appliquer directement pour votre projet. Donc l'idée, c'est que vraiment vous êtes acteur, vous avez davantage de temps derrière pour appliquer les connaissances qui vous ont été apportées, et il y a une compréhension de savoir à quoi ça me sert, pourquoi je l'applique directement. Et c'est en ce sens-là qu'on parle de pédagogie active. L'intérêt également, c'est que au-delà des objectifs d'apprentissage disciplinaire, de mathématiques, mécaniques, énergétiques, etc., il y a des objectifs transverses qui sont présents tout au long de la formation, puisque les 3 années de formation sont sous forme d'apprentissage actif par projet. Et donc ces objectifs transverses, ça va être savoir comment je vais m'organiser en équipe, se répartir les tâches, communiquer les informations, échanger entre nous des informations. Et puis également, il y a tout au long du projet, des soutenances, donc apprendre à prendre la parole en public, à exposer de manière claire la réponse qu'on apporte aux clients, avec des phases d'amélioration itérative tout au long de la formation. La grosse salle où on est tous les jours en fait, et si tu veux, tu vas avoir plein de petites salles à côté, donc on appelle ça des salles de prosit, et c'est là en fait qu'on va travailler lorsqu'on est en petit groupe, lorsqu'on va faire des projets, des résolutions de problèmes en fait. Donc tu as plein de petites salles, et ici à votre droite, donc, là il y a le bureau des tuteurs, donc si tu as une question, tu peux aller les voir n'importe quand, ils sauront te répondre. Voilà. Là, on va te montrer la salle où on est tout le temps. Donc
c'est là qu'on est, c'est ici qu'on est lorsqu'on est en groupe et lorsqu'on travaille sur des projets en fait, ou des problèmes. Voilà, donc ici chaque personne a un rôle en particulier. T'as des questions, tu retrouveras tout dedans, il y a tout écrit, et si tu veux nous recontacter, il y a aussi toutes les coordonnées. Donc voilà. Et merci pour avoir été présent avec nous. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.